Caméra se met pas en route? Si, stream en cours. Je la vois pas. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à afficher? Non. Bon, bah c'est tout. C'est pas grave. Détail, ça on s'en fout. Ah oui. Ouh, c'était quoi dans le radar? Ah oui, non. Ça je m'en fous. Ah, il m'a vu. Il m'a mis le mauvais compte. Ah, c'est pas vrai. Bon. On va changer de compte. La boutique. Tiens, hop. Prends ça, toi. Voilà. Merci, Wizbot. Non, c'est pas ça que je veux. Je me gourre comme un con. Hop là. Un joueur, face de book, ça on s'en fout, hop, touc, 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 hop là, comme ça vous voyez même pas le mot de passe, on s'en bat les couilles, hop là, bon, pourtant je suis en 5G avec toutes les barres et ça arrive encore à galérer quoi. Comme j'ai une quête où je dois utiliser un encens, je vais faire ça maintenant. Ouais, super que l'encens, il est là. Clac, et voilà. Un spécial, tac, tac. Alors, il y a quoi comme poc-poc là-dedans? Ça, on s'en fout, on s'en fout. Le RA+, hop, dégage. D'accord, c'est un poc de merde. Voilà. Alors, il a été attrapé en Espagne. Sauf que je suis dans les Ardennes. Donc voilà. Quoi, récompense directe? Oh, chaud, ouais. Et allez, le texte, on s'en fout. Gagne 5000 poussières, 10 espèces différentes, 5 lancers à effet. De toute façon, ils sont automatiquement à effet, mes lancers, regarde. Chou, tac, hop là. Excellent, et ça passe en effet, car... Voilà, lancer effet 20 XP. Alors que je l'ai lancé tout droit. C'est cheaté. Merde, j'aurais pas dû prendre une Pokéball. Voilà, tiens. Ah, t'as vu, j'ai une belle petite étoile là. Ah, précision. J'ai une personne de que... qui me regarde. Oh, c'est Louis Bot. Faut chercher, c'est Louis Bot. Ah, oh, j'aurais dû marquer en titre raid en Espagne, je vous invite, machin et tout, raid légendaire et tout. J'aurais dû faire ça, tiens. Là, j'aurais récupéré du monde, là, t'inquiète. Ah la vache, ça va tellement bien quand t'as un téléphone en... avec un écran de 120 Hz. Oh la vache. Je tombe tout, tac, hop, hop, ça quitte, allez, tac.
Ouais. Je te laisse la place? Oh, moi je m'en fiche, moi ça y est, j'ai fini de manger moi là. Oh, ça va plus vite. Hein. Mais bon, je trouve jamais de. Ça existe, doit pas exister des casales comme ça, mais avec du blanc de poulet aux herbes. Ah non. Ouais, j'en trouve, mais à Carrefour. Alors du coup, bah, je fais mes casales moi-même. J'aime bien, moi. Inconvénient après quand t'as fait comme ça, regarde. Ça fait 2 jours de suite que je mange jamais parce que les autres je les aime pas trop et que je les aime. Ouais, bah oui. Non, le jour où j'aurai moins la flemme, j'irai peut-être en prendre à la boulangerie. Ah oui, ouais, c'est sûr. Mais bon, depuis le début de la formation, je mange toujours les mêmes casse-dalles. Donc, depuis début juin, au bout d'un moment, voilà quoi. L'avantage à Reims, c'est qu'on a un micro-ondes comme. Ouais. Au moins, les restants de la veille, tout ça, t'en fais un peu plus. Ouais, c'est ça. Bah oui. L'avantage à Reims, c'est qu'on a. Elle a pas à Reims, c'est qu'on a. Comment dire. On a un self. Ah oui. Habitué à Rotel. À la Pertinguette. C'est les blocs en direction de Barbie. Ça fait réputation la Pertinguette. Ouais. Bon après. Il y a un immeuble, il n'y a que les alcools. Ouais. Ouais, il doit y en avoir un, ouais, je pense. Parce que souvent, le soir, ils sortent, et puis après, tu les entends gueuler, après, ça se tape dessus, puis après, t'as les gendarmes qui arrivent. Bon, c'est pas tous les soirs, hein, ça doit arriver. Ouais. Ah, non, enfin, je suis là-bas depuis 2001, à peu près. Parce qu'en fait, j'habite avec mes parents dans un village tout paumé. Et puis, au final, bah, pour venir au lycée, là, à Verlaine, bah. Comme ma grand-mère elle venait d'habiter sur Rethel, bah, c'était plus facile pour moi de dormir chez elle la semaine, d'aller au lycée, puis de retourner chez mes parents le week-end. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai dit bah, c'est tout, je reste avec la grand-mère, et puis voilà. Tu viens avec ta grand-mère? Ouais, du coup, ouais. T'as quel village, toi? Oh. T'habites où aussi, normalement? Tes parents, ils habitent où? Alors, quand j'étais gosse, on habitait à Forès, à côté de Srincourt. Et maintenant, mon père il habite du côté de Liard. Donc ça fait quand même un petit bout de chemin d'ici quoi. Il y a à peu près 35-40 bornes quoi quand même. Oh bah en trottinette c'est même pas la peine. T'as permis alors? Hein? T'as jamais passé de permis? Non. T'as pas? Tu veux pas? Oh mais c'est que j'avais commencé le code avant de venir là, puis bah, au final je préfère me consacrer à la formation plutôt que le code, je reprendrai le code après.
Mais quand j'ai arrêté le code, je faisais à peu près entre 4 et 7 fautes à peu près. Ouais, bah oui, du coup. Logiquement, c'est bon. Ouais, mais bon, je préfère faire encore moins pour être sûr. Puis surtout, comme c'est avec Ornicard, en plus, je serais obligé de passer à Château, le truc. L'épreuve, je serais obligé de la passer à Château. Du coup, la formation, ça m'a permis déjà de pouvoir m'acheter déjà la trottinette. Et du coup, je serais pas comme un con à pédaler pour aller jusque là-bas, déjà. Donc ce serait déjà pas mal. Ce jour-là, tu trouveras bien quelqu'un pour t'emmener. Oh, je vais en trottinette, je me démerde. Moi, je demande pas d'aide à quelqu'un ou quoi que ce soit. Moi, je me démerde. Après... ouais. 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 Ah oui. Bon. Je crois qu'il a fermé la clé, je crois, en repartant. Ah, mais toute la matinée, tu passes par la fenêtre, elle ouverte. Je vais vous péter la gueule tout de suite. Oh, j'ai pas été méchant, non. Non. J'ai pas été méchant. Non. Non. Non, par contre, le truc qui est bien, par contre, c'est qu'il demande tout le temps si on a des questions et trucs comme ça. Ça, c'est pas mal, ça. T'as pas fait encore ta formation militaire dans la gueule, encore. Ça, t'as été déformé avec l'armée. Non, mais c'est vrai. C'est ce côté-là. Service militaire, c'est strict, c'est carré, c'est un ordre pour un ordre, c'est tout. Si tu cherches pas à comprendre, c'est bon, t'as tu fermes ta gueule. Il y a du monde là-dedans. S'il y a du monde, je le fais. Je l'ai dit moi-même, t'as vu. Ah, bah, hop. Nickel. Ah mais c'est vrai qu'après le retour avec le support, c'est plus simple. Parce qu'en fait, c'est un peu la quand tu lis au fur et à mesure sur le support, toi, c'est un mythe. Quand je vais préparer quoi que ce soit, je ne vais pas être tout ça. Et moi, je vais faire ma façon, mais il y a des trucs qui manquent, je ne vais pas bien acheter, ou quoi que ce soit. Lui, ce qu'il aurait besoin de support, ça sera vraiment la réalité. Bon, après, il y aura un truc qui fait, si moi, je pense pas faire des fois. Donc, il a vu les... Lucario. Ah non, j'ai pas Lucario moi. Il essaie de faire des bonnes phrases. Il a pas compris, il a pas compris. L'intelligence, tu peux avoir l'intelligence, ça peut avoir de culture. Ouais, c'est ça. Ah non, mais lui, il prend tout, mais qu'est-ce que tu veux faire comme photo à qui pas... Moi, ce que je te dis, c'est que manque d'exemples, tu vois, je fais une fois des exemples concrets, après c'est un le problème, c'est que. Après, c'est vrai que c'est pas évident, en plus, tant que tu as détail, il faut le voir. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Tu dois présenter tout le transport. Tu dois présenter aussi, vous faire apprendre à remplir les lettres de voiture. Vous allez sûrement faire cet après-midi, tu apprends. Le problème, c'est qu'il m'a donné ça, il s'est aperçu qu'en fin de compte, il n'y avait pas assez de chance pour que ça. Alors, il a dit que là-dessus, la commande n'était pas bien, et voilà, et puis tu as fait tout à plus. Donc, ça, la lettre de voiture, j'ai un peu. Je vais donner des exemples, je vais donner des feuilles. Alors, moi, je suis. Quand on voit, il m'a demandé. Quel con, je vais me demander aussi. C'est là qu'il m'a mis à côté de la bandée. Surtout qu'on m'a dit que. D'ici là, pas trop plus cher. Tout le monde a plus de dans les chiffres. Je sais pas, moi je suis après. Moi je sais que je ne veux pas, je suis pas je veux pas dire. Au départ, je pensais que c'était un départ, je pensais que c'était un départ aussi. Au fur et à mesure, je me rends compte que. Le mec est pour sa gueule et lui qui est dans le rein là-bas. Il va, c'est ça. Il est petit, il paraît, toi tu parles aux autres. Non, c'est ça, il se pète, il s'arrête un peu. La voix de Dieu, c'est très bien. Ouais. Non, par contre, toi, sur le casse-tête, je te trouvais là, parce que je retiens l'embarras à la voiture, parce que du coup, on n'a pas détaillé ça, parce qu'on a détaillé sur le groupe. D'abord, la première fois, tu mets par rapport à ça. Mais moi, sur le casse-tête, moi, j'ai trouvé que t'étais compétent. Moi, après, personnellement, ouais, bah oui. Largement. T'es bien formé au casse-tête, sur le casse-tête. Là, il m'a donné un sujet que je connaissais. Après, casse-tête, j'ai appris que je connais pas trop. T'es sûr, les textes de loi, tout, c'est jusqu'à ce coup, ça fait un peu le fond. Après, la formation elle-même. Par contre, ça serait bien de disait aussi à Cédric tout à l'heure, en fait. Ah, justement, je lui ai dit, tiens, je n'ai pas entendu.
par rapport donc, à là, voir les deux différences. Vous attendez de juger sur une prestation. Après, je pense que vous nous jugez sur l'ensemble de tes prestations que tu as besoin de transmettre. Enfin, ouais. Moi, c'est le repas. Ouais, bah ouais. Je pense qu'il va peut-être à la fin, peut-être que vendredi, il vous dira maintenant vous jugez sur la. Moi, j'ai attrapé la première boule. Le ressenti sur le cassage, c'est pas. Parce que moi, bah, le problème, comme il dit, une fille connaît aussi du vendredi, tu lui as déjà aidé un peu le vendredi. Non, c'est un besoin que je commence à faire sur les autres jours. Quoi. C'est genre dans ça. Pas que pour aujourd'hui. Hein. En plus, comme j'ai dit, ce truc-là, c'est la première fois que je le fais, donc c'est pas évident. Ouais, oui. Je me sais dessus, t'as vu, quand ça fait 4 jours que je suis dessus, ouais. C'est pas évident de sortir. Et après, si tu te fais allumer par un genre de cul qui monte le dos, c'est un peu pas le faire. Je m'étonne. Bon, après, faut que je prenne le positif. Faut que je prenne le positif. Mais bon. Ah, mais faut pas le positif. Ouais, bah, après, il n'y a pas de méchanceté. Ah ben. Disons qu'après sur les 7, si ça veut dire que c'était correct, plus ou moins correct. Moi vous aviez compris que. C'est pour ça que tu notais pour que j'étais 14 semaines, moi c'était l'idéal. C'est si, c'est voilà. Après, le ton de la voix, le monde d'exemple, les gens que tout est particulier, va trouver des dégâts. Ouais, ouais, c'est pas évident. Non, après, moi je te dis ça, c'est parce que moi, c'est pas après, c'est pas ça permettra de. Mais après, il y a des moments où il vous demandait, c'est lui qui a intervenu, parce que il regardait certains mots. Donc moi, le problème, c'est que même moi, je suis pas sûr de ce que je raconte. Non, c'est pour ça qu'à des fois, tu bafouilles, j'entendais. Ouais, ah, quand c'est quand pour ça que j'ai dit le manque de confiance. Carrément, je me suis dit, j'ai rien compris. Et je suis seul à l'avoir dit. Au final, s'il n'y a pas eu Anthony qui a dit un gros but, a compris. D'accord, bon, moi, je préfère que quelqu'un me dise, en fait, on n'a rien compris. Sur le tableau, quoi que ce soit. Ouais. De toute façon, moi, je vais. Non, mais après, on le tableau, après, oui, ce moment. Me déplacer dans la salle, c'est vrai qu'il aurait pu me déplacer un peu plus dans la salle. Enfin, en même temps, la salle est mal branlée à l'envers. Il dit, ouais, bah oui. On va pas dans les yeux, je sais pas, mais c'est un peu vidéo. Ouais, le problème, c'est que. Je vais mettre le tableau, sinon tu vas faire une animation. Je vais me mettre comme ça en face de lui, je vais regarder. Ouais, bah oui. T'en foutais parce que. Non, mais le bureau il est derrière, qu'est-ce qu'il peut pas. En plus, tu peux même pas te mettre devant le vidéo projecteur. Ouais, il était devant ouais, le vidéo projecteur. Moi, si je me mets devant le mur avec l'ordinateur, très dérangé, Erwan, Ludo, tout ça, c'est des deux doux. Ah, par contre, il a articulé ses portables. J'ai dû pouvoir hier pour un télé matin. Bon, ça, c'est l'erreur, faut que j'apprenne aussi ça. Ouais, t'aurais dû peut-être mettre ta salle dans l'autre sens. Regarde, c'est pas important. Bouger bien ça, qui dit mettre. Ouais, bouger. Ça va aller. Parti regardait, le tableau de Marty. Toi, ouais, on se retournait, tu retournais. Toi, tu te retournais de temps en temps. Seven, il s'est pas retourné telle fois. C'est Stéphane. Même Raphaël, qui était sur le côté, il regardait, il bougeait, il me regardait. Ludo, tu me regardes aussi, toi. Ouais, bah. Le seul qui ne s'est pas retourné une seule fois, c'est lui. S'il avait voulu faire cette fois, c'est pas dur de se mettre comme ça, surtout qu'il ne montait rien. C'est d'avoir un œuf sur les deux. Ce qui m'a fait rien, c'est carrément moi qui sais qui commence. Il a dit, tout de suite, vas-y, c'est moi qui descends tout de suite. T'as senti l'envie d'y aller tout de suite. Ouais, c'est. Alors que des fois, quand l'exercice, voilà, il sortait de l'entretien, je vais rentrer toute la vie. C'est son plaisir. J'ai pas son. De toute façon, vu le regard que j'ai lancé, à mon avis, il a dit, si je le croise dehors, faut pas que je me le fasse. Comme je lui ai dit, moi, après, j'ai les gens, j'aime pas trop sur un salaire. Moi, j'ai rien pour vous de dire. Non, mais ouais, quand je jugeais, je m'entends. Ouais, c'est pas évident, quoi. Après, faut le coup, c'est pertinent. Le ton de la voix, t'avais dit. Le seul truc, c'est le ton de la voix. Tu trouves de bois ou quoi que ce soit, c'est mon côté militaire. Ça, c'est mon expérience aussi. On manque d'expérience, c'est pas évident de faire balancer un truc pour la première fois. Après, quand tu connais ce qu'on fait, mais bon, je pense que toujours pareil, pour le cas 16 ou 12 la journée de réglementation, je pense qu'elle est pas... Et puis comme j'arrive à vous faire passer quand même pas mal de trucs toujours de la réglementation. Non, mais comme je l'aurais dit, comme je l'aurais dit tout à l'heure, n'oubliez pas qu'il est en stage et qu'il apprend un métier, comme vous l'avez dit. Bah, c'est ça. N'oubliez pas, prenez en compte les paramètres. Si vous voulez, je mets en compte magasinier, si vous voulez pas prendre la prendre, on fait le boulot tous les 7, tous les 8. Là, on va commencer à rigoler. Hein. Je pense que vous allez pleurer, les gars. Parce que là, le gamin, il faut en faire sans tout moi. Je regarde comment il est le gamin, je regarde en plus comment il est le gamin. Il va pas me suivre. Il est sûr qu'il va pas me suivre, le gamin. De toute façon, il n'a aucun doute. Tu sais, c'est comme il sort du scotch rouge, je ne sais pas le utilisé, mais tu prends le scotch blanc. Hier, il y a encore le scotch rouge partout. Ouais. C'est putain de scotch en plus. Le jour de l'examen, c'est le scotch. Assurance. Garantie. On a garantie, c'est garantie. Ouais. Tout le carton doit être comme ça. Toi, pas en dessous. C'est en dessous. En dessous, c'est tout. Voilà.
Ah ouais, le scotch chaud, en plus, la fois, je lui dis, ça doit être les couilles, tout le scotch. Bah, le scotch chaud, c'est la guerre. Ah, puis en plus, tu grabades. Grabades les trucs, bonjour. La fois que je lui dis, j'ai essayé de miche du bled. Je vais lui faire, si je veux, de mes cheveux. Parce que c'est vrai qu'il est très, très formateur, très cool. Moi, je suis pas fort, je vais être formateur. Mais moi, je suis pas là pour faire de l'insertion non plus, d'être le... Tu sais, je suis pas du genre à faire. Ouais, non, les gars. Je vous parle, moi je parle comme aux gens, ils comprennent. Ah, c'est pareil. Je m'en fous, on parle comme ça. C'est pas parce qu'on va se parler un peu chaud qu'on se manque de respect. Ah, c'est sûr, bien sûr. Mais je veux dire, si je veux être méchant, je me fais faire une fonte de truc, je vais me casser dans tout le monde. Et comme mon bar, j'ai des clients qui me cassent les couilles, genre de gentil, c'est pas pour ça qu'on se manque de respect. Normalement, on ne peut pas le produire. Si je veux, je le casse devant tout le monde aussi. C'est clair. Mais après, on va me dire, ouais, tout le monde, t'es pas objectif. Ah, la formation, je transport. Ça, c'est les champions du monde. C'est un mec qui va pas bosser. Qu'est-ce qu'il fait pour. Est-ce que j'ai retenu, on sait, la loi, je pense que la formation, on leur dirait pas. Ah, je veux dire, c'est ça, je suis en formation. Je veux dire, sans vous connaître vraiment tous, le rapporteur que je connais un peu, si je dois revoir du monde, ça ne me gêne pas de revoir les six autres. Hein. Ah, même Raphaël. Et Raphaël, quand il est avec Erwan, il est très... Comme ça. Et quand il est tout seul, il est très bien. Ouais. Ouais. Mais si tu prends, je prends tous les sept, il y en a six que ça ne me gêne pas de revoir, même de boire un café... Je te crois aujourd'hui, je te crois aujourd'hui, je dis 4 ans, 4 ans, salut Tony. Et tu te dis, viens, on va boire un café, on va boire un café. Comme toi, Ludo, tu vas aller. Je vais te voir traîner à pied, je te montre faire des cours. Je vais te prendre en bagnole, je vais dire, tiens, je te dis, je vais jouer à tes cours, je m'en bats les couilles. Je veux dire que déjà, il va me croiser, il va venir me regarder nous, il va me croiser comme tu veux. La formation, je dis que tu sais faire rien, il n'y a plus faire rien. Moi, je dis, il y a un an, je ne peux faire rien. Je suis sûr, il en faut. Je ne vais pas faire. C'est quand même compliqué de retirer une crise de femme derrière. Tout est en fou dans le bordel. Je vois comment il fait ce qu'il y a dans ma gueule en haut. On a donné ses petits joueurs de tout ce qu'il fait. Je sais pas si je fais la phase de début, ça fait longtemps que je ne vais pas. Ça, j'attends que le roi Romain là. Le roi Romain là, des fois, c'est parce qu'il veut aller sur ce qu'il veut embaucher. Je suis dans la même formation que lui. Ah, moi j'ai c'est pour ça que je tiens à venir. Ça fait de la croche de bord. Il y a longtemps que j'ai ramené. Je démonte. Mais je démonte tout pas. En fait, le problème c'est que tu lui es dû. J'ai l'impression que tu lui es dû tout le lendemain. Et franchement, je ne démonte pas. Pas pardon. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oh, bon, ouais, c'est la boule. Je mange. Pourquoi je suis en train de manger? Tu nous avais jugé en fait juste à sa prestation là, mais en fait, tu aurais dû nous faire juger sur toute ta prestation. Enfin, moi, sur, par exemple, sur la formation KSS, j'ai été à... Je trouve qu'il faisait la formation KSS. Hein. Mmh. Vous n'avez pas d'intérêt, j'ai fait. Voilà, c'est parti de sa formation. Je l'ai bon ressenti. Mais j'ai pas... Là, est-ce que je juge, c'est pas l'animation, c'est pas que l'animation que je juge. C'est la parfaite. C'est la commande que moi, je lui ai donnée, est-ce qu'il a atteint l'objectif de ce que je voulais. Après, bon. Il a créé, comment il a créé son animation. Parce que là, ce que vous voyez pas, c'est tout le travail qu'il a fait avant. Ah, mais si, vraiment. Tout le monde faisait, t'inquiète pas, ils m'ont vu dans le. Ils étaient morts de rire. Les mecs, ils ont déjà ce matin, quand t'as posé la question, ils avaient déjà toutes les réponses. Ils étaient pas en train de faire. Là, ce matin, quand je vous ai pas. En fait, je vous ai pas demandé de juger. Non, mais quand j'ai évalué. C'est ça. Non, mais demandé d'évaluer. Après, il faut que ce soit constructif. Bah, c'est constructif. Vous, c'est pas constructif. Quand vous mettez dans l'ensemble, c'est bien, c'est cool. Il n'y a rien de mesurable. Pour pouvoir évaluer, pour que ce soit constructif et pour pouvoir évoluer, il faut des éléments mesurables. Si c'est pas mesurable, c'est du pipi de chat. C'est vide. C'est pas mesurable. Bah, 6 sur 20, 14 sur 20. Là, plus. 14 sur 20, mais par rapport à quoi? Donne-moi le barème de notation. Bah non, donne-moi le barème de notation. C'est pour avoir point. T'as eu combien en KSS, en théorie? 99.
93, j'ai mytho. Ils augmentent les. Ah, le mytho. Ils augmentent, tu sais. T'as 93 sur ça, par contre, il y a un barème de notation, mais je suis capable de dire là où tu t'es trompé. Oui, je peux mettre le cas, allez, regarde, parce que je l'aime bien, allez, je te mets un 18,5. Mais non, mais je te mets bien. Je vote à ton nom. Tu me l'as dit, après, à part la situation de la voix, mais après, un mec qui a été déformé à l'armée, dis-donc, alors. On tombe les couilles. Non, c'est le côté militaire, c'est carré. Merde, fusil, arme, direct. Moi, j'ai dans la Légion étrangère. Ça se voit, lui, t'es dans la Légion étrangère. Ouais. Ça se voit quoi? En mode en plastique, tu m'en dis jusque-là, les deux pattes de chèvre que j'ai. Non, non, c'est le côté un peu zinzin, je dirais. Par contre, t'es coincé, fais gaffe. Ouais, il y a les escaliers, ça va encore, je peux encore remonter. Non, mais il n'oublie pas, il a fait la Légion étrangère, mais pour ses vite fait. Hein. Moi, j'ai fait le canon à l'épargne, je suis là. Ah ouais. Quand j'étais à Cayenne avec ma sœur. En vacances légionnaires parce qu'on avait passé 15 jours, parce qu'on avait servi de ça. Il y a un colère légionnaire qui a payé à boire. Je dis merci, et il faut pas avoir ses légionnaires, il a mis peut-être boire. C'est là où j'ai appris à toucher sur son paillard du monde. Ah non, mais il y a un colère. C'est ce qu'il faut par amour. C'est un truc, c'est pas besoin d'avoir un légionnaire. C'est à quel groupe? Je sais pas si c'est pas le groupe d'amour qui fait ça. Oh, le bruit de la le bruit qu'elle a éclaté la machine. Le groupe d'avant. Le groupe d'avant, j'aurais claqué le cerveau à la doublure, j'aurais claqué deux fois. C'est quoi, c'est quoi? Après, j'aurais claqué le sketch de la chanson. Ah putain, Morales. Morales. Ah, c'est mieux, ça se voit. Non, les deux, c'est comment? Paturo, Didier, Didier, non, Didier, De quoi? Tu disais Morales? Ouais. C'était sur Canal Plus, comment il s'appelait? C'est De Cône? Non. Avec Garcia? Non. Non, la chanson de Morales. Ah, la chanson c'était lui. Il dit des numéros. Ouais, c'était ça, il dit des numéros. J'aurais claqué ça. Et derrière. Voilà, mimine. Les paroles, le bon moins bien. Mais mimine. Les numéros. Mimine. Tiens. Oui. Tiens. C'est celui-là. La parole bien. 15h72. On est toujours pas de manche à chasser. Ils sont pas chassés.
Et renard quand même. Le renard qui est là-haut, je suis pas sûr que la dernière fois il a pas chassé parce que tu vois, il y a une portée de chatons qu'on a pu. Ah, ils sont quand même mieux là qu'en ville. Ça va déjà. Ouais, mais le problème c'est que. Le problème c'est que les gens ne s'occupent pas des chats. Bah, dans quelques temps, ça sera considéré comme des rats. Ça sera considéré comme nuisible. Ah moi chez moi dans la rue à Sosmoco ta gueule. Parle-moi dans la rue à Sosmoca, j'en ai. Il y a une autre chose. Il y a au moins 100 chats. Ah il y a un c'est impossible, non. Parce que entre les poubelles qui te défoncent et. C'est quoi en reproduction un couple de chats, c'est 400 chatons en moins de. Sur 2 ans. Imagine, 2 chats. 400 chatons en moins de 2 ans. Imagine après tous les chats. Par moment, quand vous avez un peu plus d'attention, je suis là. Moi, j'ai 2 chats, ils sont chez moi, ils sont parfaits. Moi, j'ai ma petite chatte, hein. Mais c'est bon. Mais pas que la déclasse, le chat. On a un chat, vous dites, jamais rentré. Encore sur les deux, on n'est pas très stressé. Il est très stressé. Chez moi, il y en avait. Dans Rattel, il y en avait. Dans Rattel, il y en avait 5 ou 7, mais j'en ai plus. Dans Rattel, il y a un appartement là. Plein d'échos. À Mazarin. Justement, une grosse crachée. Je vais le voir là-dedans. Allez, ouvrez les fenêtres, ça sentait dehors. Ouais, ouais, Mazarin. Ouais, 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 voilà. Ouais, ouais, bâtiment rouge-gorge. Ouais, t'inquiète, je connais. J'ai plus, je crois. Si, 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 c'est encore. Mais sauf qu'avant, ils en avaient presque une vingtaine et ça a diminué. Maintenant, ils en ont à peu près une dizaine. Maintenant, et ça, c'est moins quand même. Nous, des chats, on en avait 4 et ça chlinguait pas. Hein. Ah ouais, c'est que tu changes tous les jours. Bah, même pas tous les jours, même tous les 2-3 jours, ça sentait pas comme ça. Hein. Bah ouais, voilà. Ouais. Après, faut nettoyer la caisse aussi. Quoi. Ouais. C'est la caisse, elle se nettoie aussi. Hein. Ouais, non mais. Donc, l'avantage c'est des trucs qu'ils ont vu que toi j'avais pas forcément vu ou que moi j'avais pas forcément vu. Ludo m'a dit ou quoi que ce soit ou quoi. Les deux ils sont sur la même ligne que Roman et nous on s'est mis un peu biais pour te voir la salle. Nous même la salle est même foutue. Ouais. Et s'il avait voulu le voir, il aurait fait voilà. Ouais, mais ce que je te disais, c'est pas au stagiaire, c'est à toi. Ouais voilà ouais. Donc si tu veux sur son constat, objectivement sur son constat, il a raison. Je vais te relever quoi. Ludo, bah ouais, il t'a regardé, mais résultat des cours. Toi, il te regarde pas, il regarde pas le truc. Donc, si tu regardes parler et que toi, au même moment, tu changes une diapo ouais, voilà. Ou que tu passes un truc, il y a une perte d'information. Mais bon, on sait, Ludo, ça reste sûr. Il y a un autre avantage aussi.
toi et celui-là, c'est que ce groupe-là, tu le connais, tu le connais. Ouais. Donc ils sont plus forts. Mmh. Ils n'hésitent pas. Ils ont ensemble, ils ont été cons, hein. Ouais. Ils ont tous été cons. Ils étaient plus cool que moi. Mais moi, j'ai une petite pute. Bon, on va voir la mer charrière d'abord. Je suis en train de chercher si j'avais déjà eu un stagiaire FPE. Ah non, Sylvain, je crois qu'il était passé avec elle. Non, non, il n'a pas été. Non, mais hop. Bon,